Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une activité manuelle pour vous aider à remplacer un objet qui s'appelle le médiator en bon français, mais que tout le monde appelle un pic de guitare. Hein? Alors le pic, c'est toujours quand on en a besoin qu'on n'en a pas. On joue la guitare, alors qu'est-ce qu'on fait? On joue comme ça, et après ça, on se casse les ongles, on a mal aux doigts, on a des ampoules. Mais attention, j'ai une solution pour toi aujourd'hui. On va apprendre à faire un pic de guitare avec une feuille de papier. Et voilà. Donc voici le seul matériel qu'on a besoin aujourd'hui. Une feuille de papier, elle peut même être déjà imprimée dessus. Tu peux prendre une feuille avec du texte, avec du dessin, comme tu veux. Moi, je suggère une feuille de couleur, si tu en as. Tu prends une feuille blanche et tu pourras la colorier une fois qu'elle sera pliée pour donner un peu de fantaisie à ton pic. C'est très simple, ça se fait très vite et ça peut te dépanner si jamais tu es mal pris un jour et que tu as besoin. Parce que tu vas me dire, ah, j'ai déjà un pic, monsieur Julien, c'est pas grave. Si tu es mal pris un jour, que tu n'as pas ton pic sur toi, tu prends un bout de papier, tu en fabriques un en un claquement de doigts. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas un claquement de doigts, je vais te montrer les étapes. Alors, voici ma feuille de papier. Je la plie d'abord. Première étape. Hop. Première étape. Étape numéro 2. Alors voici l'étape numéro 2. Étape numéro 3. Parfait. Et pour l'étape numéro 4, on rouvre comme ça. Et maintenant on fait l'étape numéro 4. Attention! On ouvre les petits coins opposés, celui-là et celui-là. On ouvre ces petits coins opposés. Et on replie comme c'était. Hop. Et maintenant, on peut le rabattre ici. Et pareil de l'autre côté, le rabattre ici. Ça, c'était l'étape numéro 4. Étape numéro 5. J'en ai rajouté une. Là, c'est plus... Ça va le durcir un peu. Et on plie ici comme pour faire un petit bateau. Ça, c'est l'étape numéro 5. Et puis l'étape numéro 6, on le plie encore une fois ici, hop, c'est joli, et pour terminer, hop, numéro 7, comme ça, et voilà le petit pic de guitare. Fait que tu vois ici là, tu peux glisser ton pouce là-dedans, hop. Et voilà ton pic. Pic, tu peux maintenant le colorier, lui mettre un petit dessin, une petite signature pour le personnaliser. Bon, je rentre mon pouce dedans comme ça. Reste aux trois autres petits bouts de papier pour faire trois autres pics et les offrir en cadeau à qui tu veux. Alors, joyeuses fêtes. Oh, jingle bells, jingle bells.